L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. Cissé Raphaël Ava et plusieurs autres. Venez tous. Maître Jean-Baptiste Ava. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Justiceur. J'étais en train de parler de l'homme du président Dadis que nous défendons devant ce tribunal criminel. J'étais en train de défendre l'honneur d'un homme ancien chef d'État, l'honneur d'une victime des événements du 28 septembre 2009, l'honneur d'un miraculé, l'honneur d'un exilé, un exilé politique, l'honneur d'un homme écarté du pouvoir, l'honneur d'un témoin, et j'étais avec l'honneur d'un inculpé. Monsieur le Président, Monsieur le Juge Président, le Juge Assesseur, acceptez que je me tienne encore cet après-midi devant vous, cette fois, toujours dans le même sens, parce que je vous ai dit dès le début que le procès pénal, c'est d'abord le procès de la personnalité de l'accusé. Quand nous sommes au criminel. Acceptez donc que je me tiens devant vous pour défendre l'honneur d'un républicain. Un républicain qui a fait confiance, qui fait confiance aux institutions républicaines de son pays. Je vous ai donné un exemple un peu plus tôt. Que même pour démissionner de l'armée, il ne s'est pas contenté d'écrire comme la loi le lui commandait en sa qualité de militaire, d'officier de l'armée guinéenne, uniquement au chef d'état-major général des armées. Il a écrit au ministre de la Défense. Il a écrit au ministre de la Justice, il a écrit au président de la République, il a écrit au premier président de la Cour suprême, il a écrit au président de toutes les institutions
républicaine. J'ai toutes les copies avec moi. Cela, j'en parle pour que vous compreniez que l'homme qu'on vous a présenté ici, pendant le débat, l'homme qu'on vous a présenté, que la partie civile vous a présenté pendant le plaidoyer, l'homme que le parquet vous a présenté n'est pas le même homme que nous défendons. Et que cet homme que nous défendons est un véritable républicain. Oui, le président Dadis est un républicain. Il a lui-même demandé à être entendu. Je vous ai présenté la preuve. Il n'y a pas un acte plus républicain qu'un citoyen ayant occupé la plus haute fonction régalienne du pays, ayant occupé une fonction aussi complexe, aussi difficile, aussi exaltante, aussi prise. Rien n'est plus républicain que cet homme se sentant en mise d'intelligence avec les lois de son pays, parce que inculpé pour des raisons politiques, demande au juge qu'il veut être entendu. Lui-même, d'aucuns ne le font pas, et nous le vivons, vous avez tous les exemples. Au Burkina Faso, d'où il vient, un ancien chef d'État a refusé d'être jugé. J'ai eu la chance de défendre le dernier garde des Sceaux de cet ancien président de ce pays. J'ai eu donc la chance de connaître ce qui s'est passé là. Il a refusé, pourtant, il était tout simplement à côté de ce pays. Et même quand il a été question de rentrer dans ce pays, après qu'il a été condamné par contumace, il a fallu des tractations, il a fallu des négociations, il a fallu que le président Damiba, qui a été son petit, il faut le reconnaître, accepte. Mais le président Ouattara avait posé des conditions. C'est pour ça qu'il savait qu'il pouvait rentrer au Burkina et retourner. Parce que beaucoup d'intérêts liés au président Damiba, beaucoup de ses proches ont été obligés d'aller et de rester en Côte d'Ivoire pendant le séjour du président Blaise. Parce que si seulement on devrait l'arrêter, ces personnes-là, ils ne les auraient peut-être pas vues. Mais c'est là aussi que la politique influence le droit. Et c'est ce que nous voulons éviter à ce tribunal criminel. Mais le président Dadis pouvait, et il faut que cela se sache, ne pas venir. Maître Ouédraogo vous a dit comment il a été confondu au peuple burkinabé. Tout le monde le connaissait et il pouvait même avoir la nationalité de ce pays pour contrecarrer toutes les velléités, tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais il ne l'a pas fait. Encore une fois, une autre preuve qu'il est un républicain. Parce que s'il avait fait, on serait dans des histoires de courrier, aller, démarche politique pour voir comment le ramener, commission et extradition et tout ce qu'il y a. On ne pourrait prendre qu'une décision par défaut contre lui. Et cette défaut lui serait signifié et on reviendra ici en Guinée faire opposition pour reprendre tout à zéro.
Mais en tant que républicain, il a facilité la tâche à la justice. Cela devrait être pris en compte. Mais rappelez-vous que c'est le maximum de la peine qui a été requis contre lui. La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Dans une affaire où aucun élément probatoire aussi possible, aussi infaillible, a été retenu contre lui. Dans une affaire qui est regardée dans tous les médias, où à part le fait qu'il a été président, ce qui n'est pas un crime en soi, j'ai vraiment envie, moi, de devenir président un jour. Et je le souhaite également pour vous, parce que c'est la plus noble fonction que l'on peut bien occuper dans un pays. C'est la meilleure, le meilleur endroit où on peut faire sacrifice. Donc, au pays qui vous donne tout. Donc, lorsqu'on arrive là, lorsqu'on arrive jusqu'à ce niveau, c'est non seulement une chance, c'est non seulement le fait des hommes, mais c'est surtout le fait de Dieu. Et je ne crois pas que Dieu puisse décider de rendre quelque chose noble, quelque chose pour tout le monde, et de rendre en même temps cette chose une infraction en soi. Voilà donc ce républicain qui a toujours clamé haut et fort que nul n'est au-dessus de la loi, que nul n'est supérieur à la justice. Voilà ce républicain qui, malgré tout, et là je vous l'ai dit tout à l'heure, continue de poser des actes républicains. J'en ai donné beaucoup d'exemples. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, je veux encore me tenir devant vous, devant ce tribunal criminel, dans l'entièreté de la plénitude et la plénitude de sa composition, défendre l'honneur d'un patriote. Oui, le président Dadis est un patriote. Oui, le président Dadis a pris tous les risques pour ses concitoyens. Oui, le président Dadis a osé dire plus haut ce que beaucoup de chefs d'État ne peuvent dire bas. Oui, le président Dadis, certains diront même que c'est un nationaliste, en plus d'être patriote. Certains diront qu'il est panafricaniste, en plus d'être nationaliste et patriote. Parce que c'est un homme qui aime son pays. Parce que c'est un homme qui aime la Guinée. Parce que c'est un homme qui aime les Guinéens. Vous devrez penser à cela. Parce que s'il n'aimait pas la Guinée, après 14 ans d'exil forcé, il serait déjà avec toute sa famille à l'étranger. Il serait resté là où il est. Mais pendant 14 ans d'exil, où il a été obligé de vivre loin, très loin de son pays, de ses parents, de ses proches, il a accepté de rester en contact permanent avec les Guinéens. Oui, le président Dadis est un patriote, parce que malgré les sanctions internationales injustement imposées à notre pays, motif tiré de ce que nous étions en régime de transition, le président Dadis a réussi à mobiliser les ressources internes pour satisfaire les besoins de base de tous les Guinéens. Vérifier qu'aucun fonctionnaire, tous les fonctionnaires guinéens ont été payés avant la fin du mois. C'est facile de vérifier. Un journaliste me disait tout à l'heure qu'à son temps, nous avons eu plusieurs caméras. Et les meilleures images que nous avons aujourd'hui nous ont été données par ce patriote. Il ne le sait même pas.
il ne le sait plus. Il a oublié. Parce qu'en le faisant, il faisait don de soi, il faisait don de lui, il faisait ce sacrifice-là, et il n'attendait pas le retour, il n'attendait même pas une reconnaissance. Mais c'est aujourd'hui que tout le monde le dit, et c'est tout à l'heure qu'un journaliste, parce que j'ai dit pendant et à plusieurs reprises qu'il était l'ami, qu'il est l'ami des journalistes, il est venu vers moi et il m'a dit « Aucun président ne sera ami de journalistes en Guinée mieux que lui ». Cet homme-là, monsieur le président, mérite encore une fois respect. Oui, le président Dabi, c'est un républicain, parce que malgré la mainmise de l'Occident sur la richesse de nos pays, il a pu réveiller le goût du travail, le goût de la fierté en chaque Guinéen. Il a refusé tous les compromis. Il a refusé toutes les compromissions. Il a refusé 22 millions de dollars. Il a refusé tout ce que vous connaissez comme privilège. Il conduisait lui-même. Parce que sa vie a été ainsi. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est un homme ordinaire au destin singulier. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est un militaire au destin atypique. C'est un républicain donc que vous jugez. Et lorsqu'on juge un républicain, monsieur le président, c'est un élément essentiel qui doit peser. Et cet élément-là, vous devrez en tenir compte. Monsieur le juge président, messieurs les assesseurs, la consécration de tout cela, c'est que c'est un responsable, tout simplement. Le président Dabi est un responsable. Et je veux donc défendre l'honneur d'un responsable. Il est responsable parce qu'il a appris à lui-même, parce qu'il a appris à tous que nous devons assumer nos erreurs, que nous devons assumer nos fautes, que nous devons assumer tout. Vous savez, en droit, la responsabilité, c'est l'obligation d'assumer ses erreurs. En tant que chef d'État, il a reconnu publiquement sa responsabilité morale. Alors, il faut bien que je la précise. Sa responsabilité morale en tant que chef d'État, en tant que père de la nation, comme on le dit, en tant que premier responsable du pays. Et cette responsabilité, en l'assumant, il ne l'a pas assumée parce qu'il était Moussa Dadis Camara, parce que c'est cette personne-là qui est jugée. Il l'a assumée parce qu'il était le président Moussa Dadis Camara. Alors cette responsabilité, elle est collective, cette responsabilité morale. Il n'est pas responsable pénal, parce que la responsabilité pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Elle résulte d'une faute pénale que nous avons commise. Et le président Dabi n'a jamais posé un quelconque acte répréhensible pénalement. Il ne s'est jamais associé à une entreprise pour poser des actes pénaux. Un républicain, un patriote, un responsable ne le fait pas. En acceptant donc d'assumer cette responsabilité, il a toujours agi en bon père de famille. Vous savez, monsieur le président, quand je dis bon père de famille, ce n'est pas uniquement le bon père de famille au sens que tout le monde connaît. C'est le bon père de famille en droit. En droit, le bon père de famille, c'est qui? C'est l'homme attentionné. C'est l'homme consciencieux. C'est l'homme qui sait qu'on ne traverse pas une route en téléphonant.
C'est l'homme qui sait qu'on ne peut pas traverser une route en parlant. Alors, c'est le modèle en droit, c'est le modèle rêvé. Parce que cet homme-là, il est prudent. Cet homme-là, il est disponible pour tout. Cet homme-là, il n'est pas parfait. Mais il s'efforce de l'être. Encore une fois, la perfection, elle est divine. Elle n'est pas humaine. Si quelqu'un est parfait ici, qu'il lève le doigt, et il comprendra qu'il ne l'est pas, déjà en levant le doigt. Mais les imperfections du président Dadis, dont je parle, ne signifient pas qu'il peut faire du mal à quelqu'un. Le président Dadis, en tant que responsable, n'est pas un homme haineux. Il a prouvé durant ce procès, par son attitude vis-à-vis de l'ensemble des acteurs, il a même surnommé le confrère DSDSK. Les gens peuvent être surpris qu'ici tout se passe, alors que dehors il va vers lui, il va vers tout le monde. Il salue, comme pour dire, c'est en faisant vos travail que vous êtes des patriotes. Il a pris tout le temps, tout le soin de saluer en toute humilité notre consoeur Haribo. Alors que dans cette salle, s'il y a un acteur qui a prononcé plus le nom du président Dadis, c'est bien Souadou Haribo. Je ne me rappelle pas qu'un seul jour qu'elle ait pris la parole sans prononcer le nom du président Moussa Dadis Camara. Mais chaque fois que le président est sorti de là, il est allé vers elle pour la saluer. Il a même voulu pousser, aller plus loin, en me demandant à serrer les mains et reconforter certaines victimes. Mais je pense que les confrères à qui je me suis adressé n'ont pas facilité la tâche, ce que je ne lui ai pas dit. Pourtant, c'est bien l'attitude tant d'un républicain, c'est l'attitude que d'un patriote. La seule visée qu'il avait en pensant à cela, c'était les approcher, parce que quoi qu'on dise, c'était lui le premier responsable du pays. C'est pour ça que vous allez comprendre que quand on défend un chef d'État, j'ai commencé par dire que c'était difficile, parce que nous devrons être pédagogues dans notre communication. Nous sommes dans l'obligation de le défendre efficacement, mais nous sommes aussi dans l'obligation de ne heurter aucune victime. Je parle de vraies victimes. Je ne parle pas des ONG, appendicites, de partis politiques dont j'ai parlé. Je ne parle pas de ces ONG guinéennes, appendicites, de la FIDH. Je parle de vraies victimes, de gens qui ont vraiment souffert. Parce que s'il y a une constance que tout le monde reconnaît, c'est que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était malheureux. Et il a été le premier à le reconnaître. C'est ça aussi l'homme, parfois têtu dans sa bonté, dans sa volonté
de toujours faire du bien aux autres. Mais dans l'histoire de la Guinée, Monsieur le Président, quel chef d'État a assumé ses responsabilités comme le président l'a dit? Quel chef d'État a assumé pleinement, entièrement ses responsabilités comme le président l'a dit? Je pense que même ses adversaires dans ce procès l'ont reconnu et l'ont même félicité pour cela. La partie civile Bahouri l'a reconnu et publiquement ici a félicité le président Dadis. Le fait qu'il ait eu, selon lui, le courage de venir et de se mettre à la disposition de son pays, le fait qu'il ait accepté d'être là où il est. Il a fait lors de son passage ici, les audios existent. D'ailleurs, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qui mieux que Bahouri pour reconnaître que le président Dadis mérite cette reconnaissance quand on sait que lui, il a fui la Guinée, a été condamné par contumace, mais revenu après avoir été gracié par le président Alpha. Parce que ce dernier, un politicien avisé, cherchait à déstabiliser l'UFDG. Donc il fallait trouver un pion, une arme pour combattre l'UFDG. Il devrait donc être ce pion-là, cette arme fatale contre ses anciens compagnons de ce grand parti. Mais cela n'a été que peine perdue, parce qu'il n'a obtenu gain de cause. Il a perdu sur toute la ligne, du début jusqu'à la fin, même dans les procès qu'il a menés. Il se contentera d'ailleurs d'une décision, d'une désignation éclair comme président d'un parti politique inconnu, un petit parti, avant d'être dégagé de ce parti, tant sa collaboration, la collaboration entre lui et les autres était impossible. Quel triste sort pour une partie civile aussi intelligente, mais un politicien aussi boiteux. Je disais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que le président Dadis s'est imposé comme un véritable responsable mieux que n'importe qui chez nous. Je vais rappeler quelques pages noires que nous avons connues ici et qu'aucun des dirigeants, aucun des responsables de ces moments-là n'a cherché un seul jour, non pas à demander à être entendu, mais à mettre en place des commissions uniquement pour, ne serait-ce que pour enquêter. Tout le monde en a parlé, je dois en parler, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs. Le camp Boiro et ses 50 000 morts, sans oublier les enfants qui pleurent toujours et qui ont besoin d'être situés et indemnisés. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Est-ce qu'il y a eu un jugement? Quel responsable de l'époque-là a osé demander des enquêtes? Quel, même un ministre, quel commis de l'État a posé un acte que cet homme-là a posé? Rien. Aucune enquête. Aucun jugement. Mais lui, en moins d'un an, ou en quelques mois, il a pu poser des actes que les autres chefs d'État n'ont pu poser pendant 50 ans.
Mais pourquoi on ne veut pas lui reconnaître cela? Vous pouvez ne pas aimer un chien, mais vous ne pouvez pas lui dénier le fait que ses dents sont blanches. Alors cet homme est un responsable au sens du droit, au sens de la loi telle que je l'ai définie. Le 5 juillet 1984, de grands officiers morts, sans jugement, leurs familles et leurs orphelins se cherchent aujourd'hui sans solution. Depuis 40 ans, aucune enquête, aucun jugement. Et ça, c'est au su et au vu de tout le monde. Mais on ne veut pas reconnaître à cet homme-là cette valeur, cette vertu d'assumer ses responsabilités. En 1991, suite à un propos politique du feu général Anselme Conté à l'approche des élections municipales à Zéro-Corée, une crise intercommunautaire a éclaté et a fait plus de 300 morts et des centaines de blessés dans les villes et villages environnants. Les enfants de cette partie de la Guinée, les veuves de cette partie de la Guinée, qui sont des victimes de ces crimes d'État, attendent toujours un procès, Monsieur le Président, Messieurs les juges, d'assesseurs. Ils attendent un procès, même pas un procès juste et équitable, mais ils attendent juste un procès, même un semblant de procès. Depuis 33 ans, aucune enquête, aucun jugement, niet. Et on veut faire comprendre que cet homme-là, ce monsieur qui est assis devant vous, n'assume pas. Qui ? Quel chef d'État a posé les actes qu'il a posés ? En 2007, au pont du novembre, il y a eu 250 morts et assez de blessés causés par les éléments de la garde présidentielle lors des 32 jours de grève générale et illimitée. Je vous renvoie à un document intéressant écrit par un médecin qu'on appelle Alexandre, Alexandre Abba. Le titre, 32 jours de grève générale et illimitée en Guinée. Dans ce document, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler, bien sûr, en ayant les larmes aux yeux. Parce que ce qui s'est passé ne devrait pas se faire. Les familles de ces victimes-là, désemparées, sont toujours en attente d'un procès. Elles nous regardent. Elles regardent les Guinéens. Elles regardent les responsables de ce moment-là. Aucune enquête. Aucun jugement. Mais dans ce procès, on est allé jusqu'à demander au président Dadis de se substituer au magistrat, de se substituer au procureur pour poser des actes de poursuite. Comme si c'était son rôle. Mais là, c'est une autre histoire. On va y arriver. Finalement, je me demande bien, qu'est-ce qu'on veut de lui? Lorsque des victimes d'autres faits, avec un regard hagard, nous regardent. Aucune enquête, aucun jugement. Mais celui-là qui a accepté de faire tout cela est celui-là qu'on veut faire passer pour le bourreau. En 2012, Monsieur le Président, à Galapaye, c'est un village de la préfecture de Yéme. Ce village a connu sa nuit la plus effroyable qui soit.
29 citoyens calcinés en plein sommeil, provoquant tôt le matin une véritable agitation dans la Guinée forestière, dans toute la Guinée forestière. Aucun acte de poursuite n'a été posé. N'y avait-il pas de responsables en Guinée à ce moment-là? Mais où sont-ils? Mais quand le président Dadis décide de poser des actes, on va jusqu'à dire qu'il a choisi des gens qui sont proches de lui. Et on ne pèse pas le bien fondé de l'acte qu'il pose. Pourtant, je vous ai dit, Monsieur le Président, que l'homme que je connais, l'homme que je connais, ne connaît ni ethnie, ni région. Je vous ai cité ses meilleurs amis, Boubacar Bari, Général Korka, Colonel Sandé, Kelati Faro, Thibaut Camara qui l'a dompté et qui est venu ici le laver alors même qu'il avait été appelé par le parquet. Ibrahim Chérif, Justin Morel, Maimouna Diallo, Alassane Bari, Cabinet Camara, Rodi Bari, ces gens-là viennent d'où? Ces gens-là ne viennent pas de la forêt. Mais c'était les plus proches. Et cette âme. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous tronquer la vérité? Pourquoi ne voulez-vous pas écrire de la plus belle des manières l'histoire de notre pays? Pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître le rôle positif joué par cet homme? Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre que dans l'état où il se trouve, il avait toutes ses raisons de s'éloigner? Mais il est arrivé au moment où c'est un régime de transition qui est là, mais il a accepté de venir en prenant tous les risques du monde. Sur ces risques, on va y arriver. Garakbaï, il faut que les responsables posent des actes pour assumer leurs erreurs. Mais est-ce que vous saviez ce qui avait éteint cette crise? Alors je vais vous dire, c'est le colonel Thiebro qui est là, devant vous. C'est le colonel Pivi. Ce sont eux qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui sont allés pour calmer les gens. Et ils ont réussi. Nous devons leur reconnaître cela. Nous devons reconnaître qu'ils ont posé des actes positifs pour le bien de la Guinée, parce que la Guinée est une et indivisible. Parce que la Guinée ne se limite pas à la seule ville de Conakry. Parce que la Guinée va au-delà de Yomou. Mais ces gens-là ont quitté Conakry, ont traversé toute la Guinée pour aller éteindre ce feu, pour aller régler l'autre, ce crime d'État qui a posé un acte de responsabilité. Mais ces deux-là, ce colonel Thiebro, il a aussi traité de tous les maux. Mais je comprends. Peut-être qu'on ne les connaît pas. Ou peut-être qu'on refuse de les connaître. Vous savez, il est plus sourd celui qui ne veut pas entendre. Quand je fais dos
Appelez-moi 1000 fois si je ne veux pas vous entendre, je ne tournerai pas. Parce que je me rendrai sourd. Celui qui ne veut pas entendre est plus sourd que le sourd lui-même. Mais je comprends qu'on ne veuille pas que la vérité jaillisse dans cette affaire. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à connaître qui sont véritablement ces personnalités qui sont devant vous. En 2013, Monsieur le Président, un conflit intercommunautaire qui a duré 4 jours d'affrontements sanglants éclate de nouveau à Zérékoré et village voisin, faisant 350 morts. Nous sommes en 2013, dans une gouvernance civile. 85 ont disparu. Allez aujourd'hui à l'hôpital régional de Zérékoré, vous y trouverez des hommes avec des séquelles. Allez aujourd'hui dans les marchés de Zérékoré, allez aujourd'hui dans les quartiers de Zérékoré, vous vous rendrez compte que les séquelles existent encore. Qui a osé poser un acte de responsabilité? Alors moi, je mets le président Dadis au-dessus de tout ceux qui ont gouverné ce pays en ce qui concerne la responsabilité que nous devons assumer. Mais voilà cet homme-là qui est ici, devant vous. Les séquelles persistent encore. Ils sont visibles. Des personnes mutilées traînent encore là, dans les hôpitaux. Où se trouve l'État? Où se trouvent les ONG de défense des droits de l'homme? Non, elles sont beaucoup plus braquées sur le président Dadis. Parce que c'est avec lui, c'est quand on prononce son nom, que toute la communauté internationale se lève. Parce que c'est avec lui qu'ils peuvent devenir riches dans leur business. Mais tout le monde sera un jour jugé pour tous les actes que nous posons. Je serai jugé, moi qui vous parle, en tant que personne, mais je serai jugé aussi en tant qu'avocat. Vous serez jugé en tant que personne, mais également en tant que juge. C'est pour ça que tous les actes que nous posons, que vous posez, que vous poserez dans cette affaire en ce qui concerne le président Dadis, ces actes doivent non seulement refléter la vérité judiciaire, mais ces actes doivent être posés dans le sens d'une véritable justice, d'une justice libre et indépendante. Parce que nous, en tant qu'avocats, n'ayant pas les moyens de coercition, nous utiliserons tout simplement notre autorité, nos talents, pour manifester notre désaccord contre ce que nous considérons comme injuste. Parce que nous n'accepterons rien d'injuste dans cette affaire-là. Et là encore, Monsieur le Président, personne n'a posé un seul acte. Je me reprocherais si je négligeais ou oubliais les tueries de moments de Zogota par l'armée guinéenne ou un avocat général actuel, juge d'instruction, a tout fait. Mais on l'a empêché. Est-ce que ce sont des responsables? Ça. Koyama en a connu en 2000. Aucune enquête, aucun jugement. Mais quand le président Dadis pose des actes dans le sens d'enquête, on dit qu'il a été forcé à cela.
Mais si l'ONU ne peut pas forcer un pays comme le Burundi, et je ne minimise pas surtout le pays, j'y vais d'ailleurs rapidement, mais comment voulez-vous que la Guinée, qui a une histoire, qui est connue, comment voulez-vous que ce pays-là soit obligé par la communauté internationale, par Ban Ki-moon? C'est ridicule. C'est du non-sens. On a alors oublié l'histoire du pays. On a oublié l'histoire de la Guinée. Mais nous savons, ceux-là qui téléguidaient cette affaire-là. Mais je parlerai encore une fois de la commission d'enquête internationale. Et je vous dirai le lien entre les trois qui ont été désignés, qui se sont fait épauler par les 17 personnes. Je vous dirai les liens qu'ils ont entre le président Alpha Condé. Vous pensez qu'un chef d'État qui met en place une commission d'enquête internationale, qui sait au préalable que cette commission est indépendante, ne peut pas agir pour lui? Vous pensez que s'il sait qu'il a des reproches à se faire, il le fera? Je ne crois pas que le président Dadis ne sache pas au point de croire en de telles choses. Mais il savait, et c'est pour ça qu'il y a une véritable collaboration qui a d'ailleurs été indiquée sur plusieurs endroits de ce rapport. Il n'y a qu'un homme responsable qui peut le faire, Monsieur le Président. Nous avons connu un régime civil où il y a eu de multiples morts pendant les manifestations politiques. Le régime du président Alpha Condé. Mais nous sommes aujourd'hui en train de connaître des enquêtes. Pourtant, ça a commencé depuis 2011. Pourtant, lui, Alpha Condé, était membre à part entière, était organisateur, ceux qui ont été à la base de ce meeting. C'est d'ailleurs lui qui a choisi la date du 28 septembre. On a suivi un audio ici du président Sidia, ça a été transcrit, mais personne n'a démenti. Mais lui qui a choisi cette date, lui qui a crié haut et fort partout, et lui-même a connu dans son régime combien de morts. Vous savez, la roue tourne. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Quelqu'un disait hier que les plus forts aujourd'hui peuvent devenir les plus faibles demain. Mais les plus faibles d'aujourd'hui peuvent aussi devenir les plus forts demain. Qu'il vienne lui aussi en Guinée. Il a gardé à l'étranger pendant 14 ans, mais qu'il vienne. Parce qu'il ne peut pas venir aussi. On a vu des premières listes qui avaient été déposées et on a vu qu'après cette liste a été modifiée, tronquée. Qui a posé un acte pendant ces 11 ans? Pourtant, c'est lui qui a influencé. Parce qu'il ne voulait pas voir un adversaire politique. Parce qu'il a pensé que le président Dadis, en venant dans l'arène politique, adoubé par une bonne partie des Guinéens, comme je l'ai dit, les cartes ont été rabattues. Parce qu'il a pensé que le président Dadis, en recevant
Le président de l'UFDG, Seydou Dalein Diallo, il formerait une coalition contre lui. Il fallait. Et a réussi à l'écarter du pouvoir. Et a réussi, mais en échouant lamentablement à attenter à sa vie. Il fallait trouver un autre moyen. Mais sinon, en dehors même du droit, même si nous allions avec une simple logique, comment quelqu'un qui dit avoir été victime d'un événement tel les événements du 28 septembre n'a pu organiser pendant 11 ans le procès? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas regarder le président Dadis dans les yeux, sachant qu'il n'a rien à voir avec cela. Mais le crime a profité à qui? Au général Sékouba, qui est devenu président après Dadis, et qui a laissé le pouvoir à Alpha Condé, qui ne s'est pas entendu avec lui, parce que les négociations menées n'ont pas été respectées. Les 12 millions de dollars qu'il voulait avoir, Alpha a refusé de les lui donner. Voilà pourquoi il a dit publiquement ce faux élu-là. Un faux élu. Il l'a dit au su et au vu de tout le monde. Voilà pourquoi on l'a gardé. On a voulu le garder au Congo. Je connais très bien le Congo. Et ce que je vous dis, je le dis de source sûre. Je connais très bien les deux Congos. Il devrait être à Brazzaville, chez l'ami du président Alpha Condé, Denis Sassou Nguesso, qui m'entend. Mais c'est la France qui s'est opposée. Vous savez pourquoi la France s'est opposée? Parce que c'est la France qui avait organisé tout ce deal. Parce que ce n'est pas Alpha qui était au deuxième tour. Parce que c'était Sidy Touré. Mais il fallait, veille que veille, advienne que pourra, coûte que coûte, que le pouvoir reste avec Alpha. Il fallait écarter Sidy. Et il fallait donc négocier cela avec le général Sékouba. Et là, sa seule fois dans la vie de faire une visioconférence, c'était à l'occasion. Tous ceux qui étaient là sont connus. Je suis allé à Abidjan. J'ai écouté un audio. Quand j'ai demandé, on m'a dit, on vous le donne, on vous écrase avant l'aéroport. Ces audios existent. Cet homme-là est encore une victime. Ceux qui ont profité du crime des événements du 28 septembre sont les responsables. Voilà pourquoi il avait parlé de complot. Mais on a juste utilisé quelqu'un. Mais ce quelqu'un, ce n'est que l'arme du crime. Mais la main qui tenait cette arme-là et qui l'a pointée, je vais dire, dans le cœur des Guinéens, parce qu'on a perdu un homme qui n'a pas été, qui a été incompris et qui pouvait bien aider. Les mains qui étaient derrière, mais ce sont les mains du général Sékouba. On y arrivera. Mais ce qui est gênant dans ce procès, monsieur le président, qu'un ancien chef d'État viennent citer des gens. Son aide de camp cite des gens. Mais dès que son aide de camp cite des gens, le lendemain, ces gens sont arrêtés. Mais personne ne bouge. Personne ne lève le doigt. Personne ne tente. Même pour dire que nous allons faire un effort. Est-ce que ces gens-là sont plus forts que la Guinée? Ou bien parce que eux, ils ont choisi la logique de la confrontation. Ils ont choisi de se rebeller contre la Guinée. Parce qu'ils ont dit publiquement que personne ne pouvait les arrêter ici. Mais qui est plus fort qu'un État? Mais qui est plus fort que la justice? Cet homme-là est un responsable. S'il n'a pas été jugé pendant les 11 ans du pouvoir d'Alpha Condé, parce que tout simplement Alpha savait qu'il n'avait rien à voir avec les événements du 28 septembre. Il a dit ici à Kassa, publiquement, les archives existent. Mais que pourquoi vous parlez tout le temps
des massacres des gens du 28 septembre. Notre pays a connu beaucoup de choses. Arrêtez de faire une fixation sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Alpha Condé l'a dit ici. Il l'a dit publiquement. Il l'a dit au su et au vu de tous les Guinéens. Il l'a dit à Kassa. Parce que le remords, il existe. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas se reprocher de savoir, en étant dans son bureau, que le président Dadis est jugé alors qu'il sait qu'il n'a rien à voir là-dedans. Il ferait 1000 ans. Ce procès ne se tiendrait pas. Ce procès ne se tiendrait pas, non pas parce que la Guinée manquait les moyens ou de volonté, mais parce que il sait, il savait que le président Dadis ne peut faire du mal à une mouche. Parce qu'il savait que le président Dadis est lui-même une victime. Parce qu'il savait que le président Dadis viendrait, laverait son honneur comme nous le faisons maintenant. Alors, pourquoi ce singularisme? Pourquoi sélectionner les procès? Pourquoi cette fixation sur les événements des massacres du 28 septembre? Pourquoi tout ce qui a été fait, on n'en parle pas? Monsieur le juge président, Monsieur le juge assesseur, vous avez un homme meurtri, non parce qu'il est vaincu, il garde le moral, il reste fort, il tient debout, il tiendra. Mais parce qu'il a fait don de soi. Et voilà comment on le récompense. Même quand sa pauvre mère, Frère Christine Kone, est décédée, on a accompli toutes les démarches à Conakry, mais on nous a refusé que le président Dadis passe par Conakry. C'est dans un autre pays, le Libéria, gouverné par une dame, Mme Sirleaf Johnson. C'est elle, qui n'est pas guinéenne, qui a accepté que le président Dadis passe au Libéria pour aller Zérékoré et aller enterrer dignement sa mère. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Et pourquoi aujourd'hui on vous jette une patate chaude? C'est pour ça que j'ai vraiment envie que vous sortiez grand de cette affaire. Et vous aurez une seule voix en ce qui concerne le président Dadis. Ce sera la voie de sa libération. Vous, trois juges, vous vous libérerez, vous rendrez service à la Guinée, vous rendrez service au monde entier, vous vous trouverez peut-être devant des juridictions internationales. Si vous dites le droit, et ce droit-là, il ne sera jamais double. Il ne sera pas dubitatif à l'égard de Dadis, du président Dadis. Il devra être qu'il sorte et que des excuses publiques du parquet lui soient présentées
et que des excuses de tout l'État guinéen lui soient présentées. Le moment viendra et ce sera fait. Rassurez-vous, Monsieur le Président, les époques changent. Encore une fois, les plus forts d'aujourd'hui ne seront pas les plus forts demain. Je vois un élément du parquet rire, mais je lui parlerai de l'histoire de l'accusateur public. Le dernier guillotiné pendant la Révolution française, c'était un procureur, Antoine Quintin. Je vous parlerai de lui. Arrêtez de sourire. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je continue de me tenir debout, juste avec ma parole, ma verve, juste avec la loi, avec le serment que j'ai prêté, en étant conscient des charges qui sont liées à cette robe, cette toge que je porte. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que l'avocat a. Ma seule voix là. Mais elle compte. Elle doit compter. Elle doit compter. Et elle peut compter. Je me tiens. Donc pour défendre l'honneur d'un prisonnier, je dirais même d'un prisonnier politique, dont la détention n'est pas utile, est inutile. Un homme qu'il faut veille que veille, maintenir en détention, dans les mailles de la justice, pour en faire un fond électoral. Depuis 14 ans, on a fait du président Dadis un fond électoral. On l'a gardé en prison, à ciel ouvert, au Burkina, à Ouagadougou. On lui a imparti un périmètre pour lui dire « vous ne pouvez pas sortir de là ». Il a essayé à 1000 reprises de venir dans son pays. On lui a refusé. Mais on est toujours allé auprès de ses sympathisants. On est toujours allé auprès de ses proches. On est toujours allé vers eux pour leur dire « si vous nous faites ceci, il rentrera ». Pendant plus de 10 ans, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il a été maintenu en prison, à ciel ouvert, sans aucune raison, parce que là, on sait, on savait que ses proches avaient besoin de lui et étaient prêts à fournir tout l'électorat qu'il faut. Nous avons même de bonnes raisons de penser. C'est pour ça, Monsieur le Président, au début de mon plaidoyer, je vous ai confié l'inquiétude du président Moussa Dadis Camara. Son inquiétude de voir le politique influer. Nous ne le disons pas parce que c'est acquis. Non. Nous le disons parce que c'est un devoir pour nous. C'est une obligation, il faut que nous le disions. Parce que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas à notre place. Nous avons de bonnes raisons de penser que des délégations se préparent pour aller en forêt. Et c'est pour aller leur dire, il va être condamné, nous le gracierons. La grâce n'efface pas la condamnation. La grâce rendra le président Dadis incapable un jour de manifester son intérêt à briguer la magistrature suprême.
Parce que s'il le voulait aujourd'hui, s'il avait la possibilité aujourd'hui, et je sais que la décision que vous prendrez nous donnera cette possibilité-là, les Guinéens comprendront qu'il reste et demeure populaire et qu'une bonne partie de la Guinée continue de se reconnaître en lui et qu'une bonne partie des Guinéens l'adoubent et continuent de penser que si il sortait de cette situation, la porte de la présidence lui serait ouverte. Mais on veut l'en empêcher. C'est pourquoi on envoie maintenant des délégations pour préparer les gens. Mais il faut que ceux qui le font comprennent que les temps ont changé. Que les temps ont changé. 2010, ce n'est pas 2024. Qu'ils se trompent. Ils m'entendent. Je leur demande de se détromper. Et nous le disons avec fermeté, avec toute la conviction qu'il faut. Nous le disons en prenant tous les risques possibles. Mais nous sommes convaincus que ce que nous disons, c'est cela la vérité. Et cette vérité, nous ne la cacherons pas pour rien au monde. Mais ce que nous regretterons, c'est que l'on se serve de la justice. Parce que sans la justice, croyez-moi, moi, ma vie est rien. Mes mains ne me permettent même pas de prendre un coupe-coupe. Sans la justice, je ne sais pas ce que je peux faire. Et c'est pour ça que je ne permettrai pas que cette justice-là soit compromise. C'est pour ça que je me battrai contre vent et marée, pour que cette justice-là ne soit compromise. C'est pour ça, Monsieur le Président, je veux vous dire que votre tâche sera très difficile. C'est pour ça que je veux vous dire, vous avez besoin de beaucoup de prières. Oui, la prière, c'est le meilleur moment où on communique avec Dieu. Qui que nous soyons, et nous avons besoin de cela. Et cette prière-là va vous libérer. Cette prière-là, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, va vous libérer. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Je donnerai toute ma vie pour ne pas être à votre place. Mais toute ma vie pour ne pas être à votre place. Vous comprenez? Combien je vais vous dire la difficulté que vous aurez, la complexité de cette affaire pour ceux qui tournent autour, mais ceux qui pensent pouvoir se servir de la justice ont déjà perdu avec vous. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Ils n'obtiendront pas gain de cause parce que vous n'accepterez pas. Parce que vous vous rappellerez toujours votre serment. Parce que vous vous rappellerez toujours les charges liées au port de cette robe. Parce que vous vous rappellerez toujours la noblesse, la sacralisation, le surnaturel qui accompagne ce travail que vous faites. Parce que vous vous rappellerez toujours que loin d'avoir un métier, c'est une vertu. Être juge est une vertu. N'oubliez pas cela. Gardez cela. Messieurs les juges assesseurs, gardez cela. N'oubliez pas. Gardez cela. Je disais, Monsieur le Président,
que la détention du président Dabis était inutile parce qu'elle rabaisse la République. Je me rappelle une maxime de John Fitzgerald Kennedy et je la cite. On reconnaît une grande nation aux hommes qu'elle produit, mais aussi à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. La Guinée a produit le président Dadis. La Guinée doit se souvenir du président Dadis. Pour ce qu'il a été, la Guinée doit honorer le président Dadis pour ce qu'il a fait. Et c'est un ancien président qui le dit. Et ce qu'il a dit produit aujourd'hui des effets aux États-Unis. C'est pour ça que le président Dadis doit être honoré. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, l'ancien président américain Donald Trump, malgré ses déboires avec la justice, est toujours respecté. Il n'a jamais été humilié publiquement. Je ne parle pas du jeu politique. C'est le jeu du ping-pong. C'est normal. Il le fait, on peut bien le faire pour lui. Je parle de l'américain moyen. Je parle des juges américains, y compris au prix de toutes les violations flagrantes que lui, il peut le faire. Rappelez-vous que tout dernièrement, il a été rappelé par un juge qui lui a dit « Si vous continuez à faire vos déclarations, je risque de vous priver de vos libertés. » Mais il continue. Mais ce que je veux vous dire spécifiquement, aux États-Unis, Monsieur le Président, tout inculpé est menotté. Tout inculpé traverse un paloir où des photos, ces photos sont prises. Le président Dadi, le président Donald Trump, l'ancien président, a été inculpé, mais il n'a jamais été menotté. Il n'a jamais traversé un paloir. Vous pensez qu'aux États-Unis, on ne respecte pas les lois? Non. C'est parce qu'on n'a pas pensé à Donald Trump. On a pensé à ce qu'il a incarné. Mais vous imaginez l'image de l'Amérique lorsqu'on voit un chef d'État américain menotté devant les médias du monde entier? Mais pourquoi les bons exemples doivent toujours venir d'ailleurs? Mais pourquoi ils ne peuvent pas venir de chez nous? Pourquoi le président Dadis doit être détenu? Pourquoi en acceptant de venir avec toutes les garanties qu'il a données, avec tout ce qu'il a dit toutes ces années, pourquoi on ne pouvait pas le laisser à côté et permettre aux autres pays africains, aux autres chefs d'État africains, d'oser la justice de leur pays? Pourquoi la Guinée est passée à côté? Pourquoi vous êtes passé à côté? Je ne parle pas de la nécessité de sa détention. Ça n'en est pas déjà. Moi, je ne rentre pas dans les querelles de... Il s'est constitué prisonnier, c'est la loi qui le voulait. Ce que je veux faire comprendre, en se constituant prisonnier, on n'est pas obligé de nous garder en prison. Quelqu'un qui prend son billet d'avion, quelqu'un qui vient à l'aéroport, mais quelqu'un qui depuis 10 ans demande à venir, mais qu'est-ce que ça fait pour l'honneur du pays, pour l'honneur, pour l'image de la Guinée? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui à notre justice, le fait qu'il soit détenu dans ces conditions exécrables? C'est pour ça que je dis qu'on est passé à côté de l'histoire. On a pris le mauvais côté. Je n'étais pas là ce jour-là. Peut-être que vous m'aurez compris. Peut-être que ce jour-là, il ne serait pas allé. Parce que quand vous serez seul, je vous demande de penser à ce que je viens de vous dire. Quelle utilité à garder un ancien chef d'État? Je n'ai pas dit qu'un chef d'État ne part pas en prison. Quelle est l'utilité à le garder alors que lui, il a facilité toutes les tâches? Alors que lui, il est venu vers vous. Même les symboles, lorsqu'on vous dit allez-y, qu'il soit le premier à entrer dans le cadre. La justice doit avoir ce côté humain.
Vous pensez que en étant là, vous aurez dû juste penser au moins qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Vous devrez penser au moins que cela l'a troublé. Vous devrez penser au moins qu'il a été gardé en exil forcé. Vous devrez penser au moins à ce qu'il a subi pendant toutes ces années. Mais personne n'y a pensé. Et vous pensez que c'est cela la justice? Non! Ce n'est pas cela la justice. La justice doit avoir un côté humain. La justice doit poser des actes nécessaires. La justice doit poser des actes utiles. La justice n'est pas contre nous. La justice est pour nous et pour tout le monde, même vous. Vous êtes des citoyens, vous êtes justiciables comme nous. J'ai défendu des magistrats ici. Un procureur militaire est à l'audience. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. Voilà pourquoi je dis, il me faut défendre l'honneur de ce prisonnier. Qui le garde tant en prison? Quel règlement de compte? Alors, parce que tout ce qui s'est passé pendant son régime, on lui attribue tout. Même quand le président Souleymane Ba, que j'aime bien, ordonne une commission rogatoire à être exécutée par le service de Thiébro, et qu'il exécute la commission rogatoire et qu'il prenne la responsabilité sur lui de mettre sous mandat de dépôt le général Diarra, son fils Amara, on pense que c'est lui. Mais heureusement que Dieu sait faire les choses. Celui-là qui était leur avocat n'était pas là, j'étais encore avocat en stage. C'est moi qui suis allé les libérer. Et il m'a salué, paix à son âme, il est décédé, en me disant, mon fils, nous avons fait beaucoup de mal aux avocats. Est-ce que ces gens-là savent que c'est l'avocat de Dadis qui est allé les sortir de la maison centrale? Quand le feu général prenait son fils Amara pour le présenter à moi. Pourquoi on continue de vouloir maintenir un ancien chef d'État prisonnier? Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, nous n'avons que ce verbe-là, cette voix, cette parole, pour vouloir laver son honneur. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous utilisons notre parole, notre talent, notre autorité. Oui, l'avocat, c'est l'autorité. Mais à part ça, rien. C'est vous qui avez les mandats avec vous. Mais demain, vous n'aurez peut-être pas ces mandats-là. Ou ces mandats-là pourraient retourner contre vous. Et à ce moment-là, ce sont des avocats qui seront là à côté de vous. Et nous dirons les mêmes choses. Pensez à la nécessité des choses. Pensez à l'utilité des choses. Et j'ose croire que le président Dadis ne devrait pas durer à la maison centrale. Parce qu'il n'y a pas sa place. J'ose croire qu'il n'y a pas une main noire derrière qui le garde là. Et nous le disons publiquement en assumant. Nous avons déjà pris tous les risques du monde entier. On a déjà échappé à des tentatives d'assassinat. On nous a suivis jusque chez nous. On a mis des balises à côté de nos maisons pour nous écouter. Ça ne nous dérange plus. J'ai toujours dit aux gens, si je devrais être arrêté pour le travail que je fais, j'en serais heureux. Mais je ne me tairai pas. Parce que je suis la seule voix de cet homme qui est là-bas. Sans ma voix, il n'a pas de voix. Et je dois porter sa voix plus haut. Et je le ferai en tout temps, tout lieu, la nuit comme le jour comme la nuit. En toutes circonstances. Et je le ferai sans aucun état d'âme. Je me battrai toujours à rester dans les limites de la loi. Rassurez-vous, de ce point de vue-là, que je suis légaliste. Mais le président Dadis est un prisonnier politique. Le président Dadis ne doit pas rester en prison. Le président Dadis ne peut pas être là alors qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Il était le chef d'État de la Guinée. Ça doit interpeller tous les Guinéens. Ça doit interpeller le parquet. Ça doit interpeller tout le monde.
Voilà cet homme, ce prisonnier qu'on veut garder, alors que lui-même ne veut pas que ce qui le concerne soit mis en procédure, parce que tout simplement, il met la Guinée au-dessus de tout. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, vous avez tout compris. J'ai pris une journée pour parler de l'âme. Il le fallait, parce qu'on a totalement ignoré qui était cet homme-là. Et ma journée d'aujourd'hui est uniquement consacrée à son moi. Le moi, il est haïssable, on le dira. Mais vous comprendrez que je ne suis même pas encore entré dans le vif des points de droit qui doivent être soulevés. Et cela, ce sera pour prochainement. Ce sera pour la date que vous fixerez. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un homme ordinaire au destin singulier. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un militaire de l'armée guinéenne au destin atypique. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un ancien chef d'État incompris. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un témoin dont le statut pénal a changé pour des raisons politiques. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été inculpé pour des raisons autres que judiciaires. Oui, le président Moussa Dadis Camara est une victime des événements du 28 septembre, alors qu'il se trouve dans le box des accusés. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un miraculé. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été forcé à l'exil. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été écarté par les vrais responsables du pouvoir, par les vrais responsables des massacres du 28 septembre 2009. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un républicain. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un patriote. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un exemple, un modèle, un symbole, un responsable. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un accusé à tort. Oui, le président Moussa Dadis Camara n'est pas parfait. Mais la perfection n'est pas humaine. Sinon, je l'ai dit dès le début, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui, le président Moussa Dadis Camara ne peut faire du mal à aucune mouche. Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vraiment connu, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vraiment connu, vous le diront. Ils vous diront que cet homme-là ne peut pas faire du mal à une mouche. Cet homme-là qui est devant vous aujourd'hui est jugé parce que des politiciens ont voulu le salir. Parce que des frustrés ont voulu le salir. Parce que des déchus ont voulu le salir. Parce que des personnes ont pensé qu'en se servant de lui, elles obtiendraient tout. Ce qui n'a jamais été le cas. Monsieur le Président, c'est cette personnalité-là que je vous ai présentée
toute la journée. Qui est renvoyé devant vous. C'est cette personnalité-là pour qui je suis debout depuis ce matin. Alors même que je ne me sens pas en forme. Monsieur le Président, je souhaite que vous acceptiez que je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Depuis le matin, je l'avais déjà annoncé. Et je commencerai par un autre chapitre, puisqu'il est déjà presque l'heure, mais je ne me sens pas bien. Et je ne peux pas continuer dans cet état. C'est une demande que je vous fais. Il est déjà 17 heures, mais je ne suis pas bien. Vous pouvez rejoindre le box. Merci. Il se peut que la semaine prochaine soit la fête de Tabaski. Bon, on ne sait pas encore. Alors, on va envoyer cette affaire au mardi. Parce que si la fête tombe sur un dimanche, le lendemain est férié, c'est vice-versa. Décoiffez-vous dans le box, s'il vous plaît. Donc, on va envoyer cette affaire au mardi. Si la fête tombe sur le lundi, ça veut dire que le lendemain est férié. Nous le savons, le lendemain de la Tabaski est férié. Donc, ça sera un renvoi automatique pour le mercredi. Je dis bien, si on renvoie au mardi et que la fête tombe sur le lundi, le lendemain sera férié, c'est-à-dire le mardi sera férié et le renvoi sera automatique pour le mercredi. Alors, parce qu'on ne sera pas là pour le décider. Le tribunal renvoie alors cette affaire au 18 juin 2024 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée. Merci, Président. C'est l'introduction. Je parlais de l'homme.